Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse en chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis le professeur Chen et comme à notre habitude, nous allons observer les dynamiques du marché et du réseau du Bitcoin aujourd'hui pour s'intéresser un peu à ce qui se passe actuellement, notamment vis-à-vis de l'action des prix et de la structure du marché pour différentes raisons. Nous allons le voir dans cette vidéo, mais bien sûr, avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube de Cryptos Research, évidemment. De nous louper aucune analyse, que ce soit les miennes ou celles de Vincent Gann, à l'avenir. Alors, quelle barrière avant un nouvel ATH? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Parce que, comme on l'avait vu au cours de la dernière vidéo, nous étions sur un point d'opportunité relativement rare sur les marchés spot, avec beaucoup de liquidations sur les marchés dérivés, une capitulation des mineurs qui n'était pas si effective que ce qu'on a pu voir, et donc c'était un point d'inflexion potentiel pour retourner dans une tendance haussière que nous avons effectivement, depuis 2 semaines, eu l'occasion de voir où un prix, où le prix de Bitcoin a augmenté des 57 000 $, même des 54 000 $, jusqu'à atteindre les 65, 66, presque 1 000 $, aujourd'hui. Donc une très très belle reprise de tendance, on voit bien ici un magnifique U, on est venu rechercher au-dessus de l'ancien sommet qui était situé aux alentours des 62-63, donc vraiment un retour, un rebond qui permet au marché de conserver sa structure de marché haussier, en fait sa tendance haussière, son biais haussier d'un certain point de vue. On va étudier tout ça aujourd'hui avec quelques graphiques, vous allez voir, on va d'abord s'intéresser d'abord au point de vue à long terme, puis au point de vue à court terme du marché, et surtout on va s'intéresser aux zones de prix qui sont les plus importantes à surveiller pour le range qu'on vient de réintégrer. C'est parti. D'abord, on va s'intéresser au taux de profit, donc le pourcentage d'offres en circulation qui est détenu en profit sur le réseau Bitcoin. Comme on l'a vu lors de notre dernière analyse, suite à la capitulation locale qu'on avait eue au niveau des 54 000 sous le niveau des 57, eh bien, on avait atteint un seuil critique, c'est-à-dire la moyenne historique du pourcentage d'offres en profit qui est situé aux alentours à peu près des 75%. De point de vue cyclique, en fait, si vous voulez, lorsqu'on a un retest de cette zone, c'est le moment où va se décider le fait de quitter la dynamique de marché haussier pour transitionner vers une dynamique de marché baissier, ou justement de conserver cette dynamique. À chaque fois qu'on a eu des interactions avec cette zone, que ce soit lorsqu'on était dans une zone de saturation de la perte et qu'on revenait vers une zone de rentabilité, eh bien on passait forcément par cette zone et on allait la tester d'abord en tant que résistance, puis ensuite en tant que support. Et puis ensuite, une fois qu'on était en marché baissier, ou du moins qu'on était en fin de marché haussier, on allait d'abord s'inscrire en dessous de cette zone, potentiellement revenir par-dessus, mais toujours s'inscrire en dessous de cette zone pour ensuite venir la retester en tant que résistance. Ce qui est important à comprendre ici, c'est que la rentabilité latente des investisseurs, qu'on est capable de mesurer via ce graphique, elle est déterminante pour savoir dans quel contexte de marché on se trouve. Si on se situe au-dessus de la moyenne historique, donc quand à peu près un Bitcoin sur 4 seulement est en perte, donc 75% de profit, eh bien nous sommes dans une dynamique de marché haussier, et tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, on reste dans une dynamique de marché haussier. Quand on passe en dessous, eh bien on se retrouve dans une dynamique de marché baissier, et notamment lorsqu'on se retrouve avec à peu près un Bitcoin sur 2 qui est détenu à perte, donc à peu près 50% à 60% de l'offre détenue en profit, eh bien on se trouve dans une dynamique de marché baissier, ce qu'on est capable notamment d'identifier lors des bottoms ici, sur notamment les bottoms qu'on a connus en 2021, 2022, surtout 2022 plutôt. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est que d'un point de vue cyclique, la rentabilité du marché, elle a effectué un point d'inflexion sur ce niveau. Vraiment un point de vue, vraiment un point d'inflexion très 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 propre. Hein. D'ordinaire, un maintien de cet indicateur au-dessus des 75%, après une correction, notamment qui a été provoquée ici par une saturation du profit, où on avait quasiment 99% de l'offre qui était en profit, eh bien ça nous montre que le marché, il a réussi à absorber la pression de vente. D'abord la pression de vente liée à la prise de profit, puis ensuite la pression de vente avec la dégringolade des prix liée à la pression, à la prise de perte. Et tant qu'on a réussi à absorber ça, eh bien en fait une nouvelle phase de croissance des prix est tout à fait probable. La seule chose qu'il faudra vérifier maintenant, c'est comment va réagir le prix une fois qu'on sera retourné au-dessus des 90% d'offres en profit à peu près, lorsqu'on va retrouver des zones, qu'on va se retrouver dans une zone de saturation du profit entre 90 et 99% de l'offre en profit, et dire qu'on n'est pas très loin parce qu'on est à 87% actuellement, eh bien il faudra faire attention à voir comment le marché se comporte pour être sûr de pouvoir anticiper un potentiel retracement du prix. En gros, pour faire très simple, on va se retrouver encore une fois aux alentours
alentours des 72-71 000 dollars, avec une bonne majorité de l'offre qui sera en profit, et il faudra à ce moment-là vérifier et anticiper potentiellement des signes de prise de profit pour être sûr que le marché ne se retourne pas. Il faudrait idéalement que les individus ne reprennent pas encore de profit, des profits massifs aux alentours des 72 000 dollars pour être sûr de pas donner en fait l'ascendant aux vendeurs. Donc il faudra faire très attention, on va suivre ça au cours des prochaines semaines. Dans tous les cas, ne vous en faites pas. Ça, c'était pour la dynamique cyclique, la dynamique à long terme du marché. On est venu tester la moyenne à long terme, tout va bien, on est rester au-dessus, donc pour l'instant, Tollow Bound du côté long terme du marché. D'un point de vue à court terme, c'est aussi très très bien dans le sens où, grâce au STH SOPR, on est capable d'aller mesurer la rentabilité à court terme des dépenses, donc de savoir si à court terme les investisseurs sont en train de prendre des pertes en dessous de 1 ou en train de prendre des profits au-dessus de 1, ce qui nous permet de déterminer un biais haussier lorsqu'on a un STH SOPR qui se maintient au-dessus de 1 ou un biais baissier lorsqu'on a un STH SOPR qui se maintient en dessous de 1. Au-dessus de 1 avec des rebonds, ça va être une dynamique haussière qui va être soutenue et qui va pas se dégrader. On peut avoir des périodes de transition où le biais oscille, notamment ici, ce qu'on est capable de voir, je vais vous le zoomer ici, voilà, c'est vraiment idéal comme sujet d'étude. On a vraiment ici un ratio qui va tenir tout au-dessus de 1 pendant le mois de mai et une partie du mois de juin, et à peu près après la dernière semaine de juin, on a ici un ratio qui commence à se dégrader, qui commence à osciller entre 1 et en dessous de 1, et directement après la zone des 64 000, après avoir perdu le prix réalisé à court terme qu'on va étudier juste après, et bien on voit ici qu'on a une dégradation claire, on a une belle prise de profit bien nette, et le STH SOPR n'arrive pas à repasser au-dessus de 1 pendant une longue période où c'est vraiment une forme de petite capitulation locale des investisseurs à court terme, et une fois qu'on repasse au-dessus, et bien le biais haussier reprend l'ascendant. Donc suite à une prise de perte importante qu'on avait connue avec le pic du STH SOPR ici en dessous de 1, et bien l'intensité du biais baissier est là tranquillement, progressivement commencé à s'effacer en juillet, elle a commencé à vraiment se ralentir, donc le biais baissier a commencé à ralentir alors que la prise de perte ici diminuait, ce qui nous indiquait qu'il y avait potentiellement un épuisement des vendeurs qui était en train de se former. Et maintenant que le STH SOPR est revenu au-dessus de 1, ça nous signale que la prise d'un biais haussier, elle est effective, et que pour l'instant nous sommes sur un biais haussier à court, voire peut-être à moyen terme, et il va être hyper important pour le moment que le STH SOPR se maintienne au-dessus de 1. Qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit qu'on a un STH SOPR qui est au-dessus de 1, mais il a des valeurs qui sont quand même assez hautes, hein, ce qui nous signale qu'on a déjà une bonne prise de perte, une bonne prise de perte de la part des investisseurs à court terme qui ont potentiellement accumulé des BTC entre 54 et 57, qui commencent à redistribuer à court terme aux alentours des 65, ce qui est tout à fait logique. On va voir ensuite pourquoi est-ce que cette zone elle est importante et qu'elle est cohérente, notamment aux alentours des 66 000 qu'on n'arrive pas pour l'instant à franchir. Mais pour l'instant, ce qu'il faut être capable d'observer, c'est le fait que le STH SOPR dans les prochains jours, idéalement dans la prochaine semaine, se maintiennent bien au-dessus de 1 et qu'on effectue des rebonds comme on a vu en mai. Ça va être hyper important et c'est quelque chose qu'on va être capable de mesurer et de suivre au cours des prochaines semaines pour confirmer le maintien d'un biais haussier à court terme qui va pouvoir nous permettre ensuite d'avoir une croissance à moyen voire à long terme du prix au-dessus de l'ancien ATH des 72-73 000 que pour l'instant nous ne sommes pas capables de franchir. Très très important comme dynamique. Maintenant on va aller s'intéresser plus en détail à certaines zones de prix. Bon, manifestement le graphique ne charge pas, on va s'y intéresser directement ici. On va voir trois graphiques qui vont nous permettre de définir des zones de prix différentes. D'abord, des zones de prix importantes à court terme sur les marchés spot, puis ensuite des zones de prix importantes à moyen terme sur les marchés spot, et ensuite des zones de prix hyper importante à moyen voire long terme sur les marchés dérivés, parce que oui, les marchés dérivés ont une incidence hyper importante sur le prix en ce moment. Ici d'abord, vous connaissez ce graphique, mais je vais encore le présenter pour ceux qui ne sont pas au courant de qu'est-ce que ce graphique, juste aller consulter l'analyse d'il y a deux semaines, hein, c'est très très bien expliqué, mais je vais le refaire rapidement. Nous avons ici deux courbes, une courbe en orange, une courbe en rouge. La courbe en orange, c'est le prix moyen d'achat des investisseurs sur une semaine. La courbe en rouge, c'est le prix moyen d'achat des investisseurs sur à peu près 6 mois. La courbe en orange, elle va nous permettre de donner un biais à très court terme sur le marché, alors que la courbe rouge, elle va permettre de donner un biais pour le court à moyen terme. En gros, dans l'ensemble, cette courbe rouge, elle va être capable de donner des supports au prix durant les tendances haussières, et il faut absolument pas perdre cette zone durant les tendances haussières, du moins de manière locale. Voilà, ça peut ne pas être dangereux, mais il faut pas rester en dessous trop longtemps, et surtout il faut pas que cette zone devienne une résistance. Et c'est la même chose pour la courbe orange, sauf qu'elle va réagir sur du très très court terme. Regardez notamment comment entre la période de juin
entre la première semaine de juin où on est passé en dessous de cet indicateur, la période de juillet où on est repassé au-dessus avec un petit test ici qui a été un échec, eh bien on a eu des résistances à chaque fois. Ici, des super points d'entrée, notamment pour les positions short, donc résistance 1, résistance 2, résistance 3. On repasse légèrement au-dessus au niveau des 62 000, on invalide, boum, directement grosse dégringolade des prix, résistance 4. Et enfin, vers le 9 juillet, on a réussi à repasser au-dessus au niveau des 57 000 à peu près, et on l'a pris en tant que support sur les 57 000, et ensuite on est repassé à une tendance haussière à très court terme. Et maintenant que nous venons de refranchir le prix réalisé sur 6 mois, le prix réalisé des STH aux alentours des 64 000 de manière haussière, nous sommes actuellement dans une tendance haussière à très court et même à court voire moyen terme. Donc il va être important de tenir le niveau de la zone rouge pour les prochaines semaines. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien, hein. On va repartir sur un an, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que cette zone elle est hyper importante. C'est parce qu'en fait, vraiment, pendant les tendances haussières, elle va servir de support. Support ici, support ici. Elle a aussi servi de support précédemment, mais dans l'ensemble, ce qui est important de noter, c'est que vraiment, il faut rester, pour qu'un bull market tienne sur du moyen à long terme, il doit absolument se maintenir au-dessus de la zone rouge, et c'est exactement ce qu'on a pu voir ici. Donc on vient de repasser au-dessus, on a invalidé le biais baissier à très court terme en revenant chercher le prix réalisé sur 7 jours, le prix moyen d'achat sur 7 jours, et maintenant on vient d'invalider le biais baissier à court moyen terme en récupérant la zone des 64 000 avec le prix réalisé à court terme, donc le prix moyen d'achat sur 6 mois. Donc c'est vraiment idéal, il faut vraiment juste rester au-dessus des 64 000 pour réussir à conserver un momentum haussier et conserver aussi la confiance des investisseurs qui viennent d'acheter les derniers entrants. C'est très très important. Par contre, tout n'est pas vert d'un certain point de vue, tous les feux sont pas ouverts, il reste certaines barrières à la hausse, notamment une barrière sur les marchés spot entre les 66 000 et les 69 000 environ, comme on peut le voir sur ce graphique qui va aller chercher les cartes de densité, enfin la densité des zones d'achat sur les marchés spot. On peut se rendre compte que entre les 68,8, donc 69 en gros, et les 66, on a beaucoup beaucoup de BTC qui ont été accumulés, hein. Voilà, ici c'est 220 000 BTC, 380 000, 276 000, 340 000 et 200 000 encore, donc on est à peu près aux alentours de 1,5 million à peu près de bitcoin qui ont été acquis dans une zone de prix qui, dans une fourchette de prix de 3 000 $ entre les 66 et les 69, sur laquelle on est en train de travailler activement en ce moment. Donc il va être hyper important de voir comment le prix réagit sur cette zone. Ça peut donner lieu à une résistance à court terme, mais c'est peut-être ce qu'on est en train de voir en ce moment, parce que le prix là sur les petites unités de temps a tendance à bloquer aux alentours des 66. Donc peut-être que ça va nous donner une petite résistance avec un léger retracement en dessous des 64, potentiellement les retaper les 60 ou les 62 en tant que support pour continuer à aller chercher, donc peut-être quelque chose comme ce qu'on avait connu aux alentours de mai, donc une large hausse, petite correction, support, et puis on repart, donc la large hausse, petite correction, et après on repart. Ce serait pas du tout déconnant, ce serait quelque chose de relativement sain, mais pour l'instant on a une résistance sur les marchés spot, où les investisseurs ici qui ont acheté à ces zones de prix et qui sont encore sous l'eau, lorsque le prix va revenir vers leur prix moyen d'achat et qui vont être à break-even, il y a peut-être des chances que, au lieu de continuer à détenir leur position, ils préfèrent limiter les pots cassés et vendre leur position proche de leur seuil de neutralité à break-even, ce qui pourrait donner lieu à un dead cat bounce. Donc idéalement, il faut vraiment franchir cette zone de prix, il faut vraiment pas résister trop longtemps aux alentours des 66-69. Et une fois qu'on aura franchi les 66-69, une fois que les 69 sont acquis, vraiment là on rentrera dans le late game de ce range, parce qu'on aura affaire à une résistance majeure sur les marchés dérivés qui est vraiment très très intense. Hein. Si on regarde ici, les positions short qui sont ouvertes entre les 72 et les 74 sur des tranches de prix de 100 à 200 dollars, on a plusieurs milliards d'intérêts ouverts qui sont déployés. Donc vraiment, la zone jaune que vous voyez ici, c'est des shorts qui sont en train de bloquer cette zone et qui n'ont qu'un seul objectif, faire en sorte que le prix ne franchisse jamais les 72 000 $ et qu'il aille chuter potentiellement en dessous des 54 pour aller chercher la liquidité qui se trouve entre les 50 et les 45 000 $, idéalement peut-être aller chercher les 40 000. L'objectif des vendeurs short, c'est vraiment qu'on aille faire baisser le prix en dessous des 50 000 pour nous faire rentrer en bear market idéalement.
pour aller rechercher ensuite plus bas et qu'ils aillent racheter potentiellement entre les 40 et les 30 000. Donc ça, c'est leur objectif. L'objectif des boules a été de défendre la zone des 50 000 qui n'a pas été atteinte. On a réussi à s'en tenir avec une déviation baissière vis-à-vis du range aux alentours des 54. On a réussi à intégrer les 60, les 62, les 64. Donc pour l'instant, tout va bien. L'objectif des boules, c'est d'aller chercher les 72 000 et de les franchir. Une fois qu'on va commencer à liquider les positions qui sont aux alentours des 72, 73, ça devrait créer un effet de succion parce qu'il y aura un short squeeze très très important qui va se créer. Un effet de succion où le prix directement pourrait, on pourrait avoir une belle bougie verte dès 72 directement jusqu'au 74, 75, rentrer dans une zone où on est au-dessus de la TH et donc aller en découverte de prix, chercher les 80 000 très potentiellement. Donc vraiment la zone des 72 000, c'est la zone qu'il faut surveiller sur les marchés dérivés dans les prochaines semaines pour potentiellement anticiper un short squeeze dans le scénario bull ou une résistance avec une très forte réjection, un peu comme ce qu'on a vu ici aux alentours de juin dans le scénario bear. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Pour résumer, on est de retour dans une tendance haussière, on a maintenu la tendance haussière à long terme, après une petite correction, une petite capitulation à court terme, mais tout n'est pas gagné non plus. In fine, les données de cette semaine, elles indiquent que la réintégration du range estival, qui est situé entre les 60 000 et les 72 000 dollars, eh bien, ça a permis une récupération du biais haussier à court terme et donc un maintien de la structure du marché haussier dans son ensemble. Donc on continue de ranger, tout va bien de ce point de vue là, rien à signaler. Petit moment de frayeur en dessous des 57 000, mais pour le moment on n'a pas eu de capitulation majeure, seulement une petite capitulation locale. Donc suite à cette intense et douloureuse chasse aux liquidités longues, notamment sur les marchés dérivés qu'on a connu en juin, et ben la tendance elle commence à s'inverser et c'est maintenant les shorts qui sont en train de se faire punir, notamment les shorts qui étaient en dessous et juste au-dessus des 60 000 qui se sont vraiment bien fait défoncer. Pourtant, il reste encore de nombreuses résistances qui sont en train actuellement de bloquer la potentielle phase de découverte des prix du marché au-dessus des 72 000. Donc pour l'instant, on a réussi à franchir le prix réalisé à court terme aux alentours des 64, mais on a encore une très très forte zone d'offres qui est disponible sur les 60 000 à 69 000 dollars, et on a aussi une extrême concentration de positions short sur les 72 à 74 000 dollars auxquels il faudra vraiment faire très attention. Voilà qui fait le tour de l'analyse que je voulais vous proposer aujourd'hui pour identifier les potentielles barrières qu'on pourrait avoir avant un nouvel ATH. Bien sûr, vous pourrez retrouver l'analyse disponible de manière écrite et gratuite sur le site de Cryptost. Bien sûr, pour les tweetos, on peut aussi retrouver le petit trade que vous pourrez évidemment liker et partager et commenter si vous avez des petits commentaires à faire. Ça me fera toujours plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptos Research et à activer la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Hein. Bien sûr, vous connaissez tous les mardis midi une analyse de Vincent Gann, un jeudi sur deux les analyses on-chain par moi-même, le prof chain. Et si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous connaissez désormais Cryptos Research, le meilleur service d'accompagnement et d'éducation pour les investisseurs en France, avec une plateforme avec tellement d'informations, on ne sait plus quoi en faire, il y a vraiment tellement de choses, on a encore ouvert un nouveau format il n'y a pas longtemps, donc si vous êtes intéressé à tester notre service, vous pourrez retrouver directement ici et dans la description de la vidéo YouTube un petit code PROF20 qui vous donnera moins 20% sur votre premier mois d'abonnement si jamais vous voulez tester le produit, si ça ne vous plaît pas, dans tous les cas vous serez remboursé. Et vous avez maintenant nous avons maintenant un partenariat avec Glassnode qui vous permet de vous offrir un code promo de moins 20% sur votre abonnement Glassnode si jamais cela vous intéresse aussi. Donc n'hésitez pas à aller tester le produit. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et que vous sortirez de ce visionnage avec plein d'informations qui vous permettront de mieux comprendre comment le marché fonctionne et s'articule. C'était le Prof Chain, je vous souhaite à toutes une excellente journée et on se retrouve dans deux semaines. Ciao ciao.